L'instant présent. Qu'est-ce que l'instant présent? C'est le moment où vous êtes actuellement et maintenant. Non pas dans le passé, non pas dans le futur, mais dans cet instant actuel. Il y a une minute, c'est maintenant du passé. Et dans une minute, ce sera le futur. Bonjour, je suis Lily, votre coach personnel. Aujourd'hui, nous parlons de pourquoi l'instant présent est important. Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est la meilleure des récompenses. Pourquoi j'insiste autant sur qu'est-ce que l'instant présent? Parce que beaucoup de personnes me disent être dans l'instant présent et ils pensent au passé ou au futur. Être dans l'instant présent, c'est se concentrer au niveau des pensées, des actions, dans l'instant actuel, du maintenant. Nous avons été habitués à vivre dans le passé ou dans le futur. Mais quand nous sommes dans le passé ou dans le futur, nous ne sommes pas dans le présent. En fait, nous ne vivons jamais notre présent. Nous ne vivons jamais notre vie. En tout cas, pas assez. Pourquoi? Parce que nous inquiétons toujours pour le futur. Nous sommes nostalgiques ou nous souffrons du passé. Et on nous a appris à vivre comme cela. On nous a dit... Il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier dans le futur. Et quand nous sommes dans ce futur, et que nous sommes dans ce métier, on nous dit, il faut travailler dur pour la retraite, dans le futur. Et à quel moment nous vivons l'instant présent? À quel moment nous vivons notre vie? À la retraite? Et quand nous ne sommes pas dans le futur, ben nous sommes dans le passé. Nous faisions vraiment un beau couple avec mon ex-femme. Il n'était pas si mal comme gars, en fait. Ah, mais depuis mes vacances de cet été, je n'ai pas vu le soleil. Voilà les pensées. Alors dites-moi quand vous appréciez ce qui se passe maintenant. En vivant dans le passé, votre futur y ressemblera. C'est dans le présent que vous créez votre futur. Réapprenez à profiter du moment présent, comme si c'était le dernier. Vous pouvez très bien être dans l'instant présent, le plus souvent, tout en créant, en imaginant ce que vous désirez pour votre futur. C'est tout à fait compatible. Ne pensez plus au passé. On ne peut pas y revenir. Vous perdez votre temps. Ne stressez pas pour un futur qui n'est pas encore créé. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Si vous êtes heureux dans le présent, vous serez heureux dans votre futur. Pratiquez la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. La gratitude permet de vous ramener dans l'instant présent. Et vous? Vous vivez dans quelle période? Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est la meilleure des récompenses. Merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous. You, rien que pour vous.